Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Hey y'a le petit pote, c'est Brekou, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test de deck les gars, comme vous avez vu dans le titre, tester le deck de Lemon Tea. Avant que la vidéo commence les gars, très très important, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. J'ai fait gagner un pass royal les gars, je ferai le tirage au sort le 25 décembre. Pour participer c'est très simple, il suffit de s'abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions les gars pour tester un deck ou autre, n'importe quelle question, venez sur mon Instagram les gars. Et puis voilà, donc voilà, petit MK Rem simplement, Kava, bon, classique, ça fait un bail qu'il est très fort. J'ai jamais vraiment beaucoup joué, je sais que dès qu'il est sorti le deck, j'ai fait un SD avec, le sort mon DC, et on va voir s'il est toujours aussi viable en défi classique, tout simplement, parce qu'on adore, je sais qu'il est viable, parce que la reine, les champions sont trop forts, mais en défi classique, comme absolument tout le monde peut avoir les champions, bah voilà. Donc on verra bien si ils sont viables, enfin si le deck est viable, je pense que oui hein, mais on va quand même le tester, et puis voilà. On est sur la première game contre NRG Christian, nous joue en petit 2.6 je crois, avec un esprit de feu et pas un esprit de glace. Intéressant, la voleuse qui va dash, je sais pas trop quoi faire là j'avoue, je suis un peu perdu. Oula, douteux là son move un peu non. Ok on va défendre facilement. Ça c'est clean. Hop. Ok, très belle bûche de sa part. Est-ce qu'on peut tuer le canon? Ok, c'est pas grave. On va aller mettre le fiole barbare ici pour tanker le canon. Ok, ça c'est bien fait de sa part. On va aller mettre la capacité ici tranquillement pour aller dépop cette mousquetaire. Ok, ça dépop la mousquetaire, c'est juste ce que je voulais. Allez, c'est parti. Petit esprit électrique tranquillement. N'importe quoi, petit fantôme. Ok, mais il met un canon pour ça. Ça me va, il n'y a plus grand chose pour mon Kava du coup, enfin il n'y a même plus rien en fait. Je vais mettre une voleuse pour voir ce qu'il a. Seulement un golem de glace je pense. Et je sais pas ce qui branle, genre vraiment, je n'ai aucune idée. Ok, bah, il m'a l'esprit de feu en plus. La voleuse qui va redash. On a la faute s'il met une mousquetaire. Ok, BDF, ouais il met beaucoup d'élixir. Hein. Il met beaucoup d'élixir, on va aller partir tout simplement MK from map, parce que là je sais qu'il a genre, je dirais 2-3, là on est à plus 7, là je pense qu'on a un MK d'avance là. Là je pense qu'on est à peu près pareil en Alex. Là il va essayer de mettre je pense canon plus mousquetaire, donc je vais pouvoir foudre. Voilà il met son mousquetaire, là il vient de recycler son canon, donc on va aller juste mettre une bonne foudre en fait. Genre comme ça. Voilà exactement, je le savais hein, je voulais call. Et là maintenant, là il peut plus rien faire là. Là il peut essayer de défendre comme il peut mais il n'y arrivera pas, c'est sûr qu'il n'y arrive pas, je suis sûr de ça. Là va juste mettre full pression, il peut BDF, la voleuse qui dash, à droite, à gauche, tac tac tac. Voilà Rem qui fait son taf, là on peut activer la capacité, on peut aller mettre une voleuse. On va aller prendre la tour de droite avec le MK. On met la pression pour le 3 couronnes. Là on met la pression pour le 3 couronnes. C'est ça le plus important de mettre le 3 coucou. On va aller mettre un Kava, un Fibarba, et on va aller prendre cette victoire. Vraiment très simple contre NRG Christian, 2.6, c'est un bon match-up, je pense. Ouais, je pense que c'est un bon match-up quand même. Ça peut être compliqué si le mec joue très bien, s'il écarte bien ses mousquetaires, ses canons et tout. Mais normalement, il devrait pas y avoir trop de soucis. Donc voilà, et en plus, on termine le pass. Donc ça, c'est beau, on termine le pass en live. Et là, je peux améliorer quoi. Non, je vais garder mon jeton, non. Je sais pas, je peux améliorer quoi, les gars, vous pensez? C'est quoi le mieux? Je sais pas, en vrai, je me dis... Je sais pas, je vais le garder et on verra bien. Hop. Ouais, vas-y, on verra bien. Hop, allez, go. On part sur cette deuxième game contre Reed. Allez, c'est parti. On commence par un petit fumeur barbare tranquillement pour cycler sans prendre... Ok, bon. Elle a décidé de jouer un jeu électro first play pour défendre. On va aller mettre la capa directement pour aller dépop le genre électro le plus vite possible. Bon, le genre électro qui est plus beaucoup joué. Enfin, je le vois plus beaucoup sur les decks en général. Voilà, on va essayer de prendre charge honteux un peu, j'espère. Je vais mettre le fiole barre. On va après shot en plus. Un petit portugais là. Hop. Il y a la barre qui va prendre le focus. On va pouvoir activer la capacité. Et là, on va aller prendre cette tour.
Voilà, encore une fois contre pas le meilleur de tous les joueurs, hein, mais c'est intéressant de voir, hein, parce que si moi je tombe pas sur des joueurs fous, vous allez pas tomber sur des joueurs fous, hein. Des fois forcément vous allez taper des bons profils, mais c'est rare en défi classique. Quoi qu'en ce moment, en vrai, il y a pas mal de gros joueurs qui font les défis classiques, donc faut faire gaffe. Ok, bon, on va les foudre. On va pas se prendre la tête. Hop. On va pas se prendre la tête. Je pense que lui, on va le 3 couronnes parce que je vois qu'il s'est pas très bien joué. C'est pas, il est pas dans la meilleure de ses formes, le frérot. Donc là, je pense qu'on va juste pas sur MK. S'il met un jeu électro, on va tout simplement juste mettre une reine. Ou un Kava. Je sais pas trop, on verra. Ok, voilà, bon. S'il fait ça, par contre, s'il me donne un MK, je le prends. Ok, bon. Ok, une amie derrière qui sert pas à grand chose. Donc tu fais ça plus la capa. Alors moi le jeu électro qui devrait se faire des pop. Ok, tornade bah, un peu éclaté de sa part, mais c'est pas grave. Même quelqu'un qui va one shot normalement maintenant. Ouais maintenant c'est one shot, ça c'est cool. Ok, on va aller mettre un Kava. Hop. Ok, mais une cajobine, relou un peu le frérot là. Ok, ça c'est parfait. Normalement, ouais, nickel. Le Kava qui va connecter. Là, il croit nous avoir avec sa capa. Vas-y, mets ta capa. Voilà, nickel. Là, on va être bon, les gars, encore une fois. Là, s'il met un jeu électro au pont, par contre, on all-in. On all-in. Oh, vas-y, je fais pas. En fait, il le met bizarrement, genre, je sais pas. Horrible. On va mettre le MK ici. Hop. Bah, nickel, hein. Voilà, on va all-in par contre. J'attends un petit peu et je vais all-in. En plus, là, il retarde bien moi. Ouais, okay, il retarde bien ma reine. Là, on peut tout simplement aller mettre approximativement tout au pont. Sa cage, je pense pas qu'elle suffit. On va ignorer le Dark Prince parce que c'est pas très grave. Et là, je pense qu'on va les mettre de bons dégâts. On va même prendre la tour, je pense. Hein. Allez, frère, s'il te plaît, laisse-moi le tour pour un nice. Ouais, il est trop chiant. Mais je sais pas pourquoi. En plus, là. Il m'a fait redash mon MK. Bon, bah, nickel. Nickel, ça fait plaisir, on va aller prendre du coup cette victoire. Là encore on tombe pas sur deux joueurs très très solides. Hein. Allez c'est parti, petit 6-0 contre Monster. Allez, hop, on va mettre une petite emote, on va mettre... hop, voilà, on le prévient. Ok, petite veau... Ah, Molos. Ça peut se flasher, hein, faut que je fasse gaffe. Ok, les symboles qui lâchent sur la tombstone, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Là il y a plus de bâtiment du coup, ça veut dire. Ok, c'est du splash yard, du cimetière. Cimetière, ça peut être complexe, hein. Mais il joue bien en face, ça peut être complexe. Ok, on va mettre un fantôme là, là on a le fût. On va éviter de prendre des dégâts déjà pour commencer. Hop. Ok, donc ma foudre va pas servir à grand chose. Peut-être pour les bébés dragons au fond de map. Attendre un petit peu avant de la sortir, ma foudre. Alors moi on va rien de faire une grosse aïe dans la gamme hein, parce qu'il a pas de foudre ou de cœur dans le genre. Oh ok, il connaît les placements, bien wesh. Il connaît les placements le frérot. Ok là, ouais, ok on va mettre une Vovo. Bah si on va mettre sa tombstone je pense. Ok, c'est bien joué de sa part. Ouais, ok, la voleuse qui pourrait tuer peut-être. Ouais nice, pas mal ça. Ah ça tue pas putain, merde, je pensais que ça allait buter la... Bah évidemment pas sortir la foudre maintenant, hein, ça serait complètement débile. Ce moment là en fait tiens, c'est que s'il pack j'ai juste le MK à mettre et ça va tout dépop. C'est le MK qui fait... What? Il va pas mettre un cimetière là? Ok, je sais pas ce qu'il fait. Oh MK, ouais nice. C'est parfait, je voulais que mon fantôme reste en vie, ça c'est pas mal. Ça va être chiant pour lui, ok, tornade, bien wesh, on va mettre... Il joue pas mal hein, il joue bien pour l'instant. Ouais, on va aller prendre des dégâts, on va les mettre des dégâts là, avec cette voleuse. En fait, comme on a beaucoup de troupes terrestres, bah, en fait, on a aucune troupe aérienne, je dirais même. C'est super chiant pour lui à gérer, genre. Ok, là, t'es pas obligé de mettre la reine, parce que le poison, parce que la reine a déjà pris deux coups. On va mettre un Kava, je sais qu'il va sûrement mettre son bâtiment, ça tombe seul, là. Je pense qu'il y a moyen, dans pas longtemps, je tente un petit pré-chat de foudre... Là, je sais pas trop quoi faire là, je sais pas, là je cycle un peu dans le vent mes cas. Ok, là on a une bonne foudre à prendre par contre. Ok, là ça va faire mal la foudre. La foudre là qui fait mal. Ok, mais logique. Jusque là tout logique.
Ok, là on peut l'activer, la capacité de la reine des archers. Oh, la reine qui est beaucoup trop forte, hein. Vraiment, regardez-moi cette défense, hein. La reine a tout fait, hein. À deux doigts de l'île, elle était pas loin de rage quitte, hein. Ok, bon. On va aller mettre le... Je pense le MK, on va le mettre full map. Tranquillement, on va s'installer. Comme il a mis le chevalier full map. Là, s'il met nos troupes, genre bébé dragon, autre chose, je foudre. Voilà, exactement. Donc là, il me redonne une value foudre, donc on va aller la prendre. Hein. On va pas se plaindre. Hop. Ok, on va aller mettre une reine en plus, ici, pour tuer le bébé dragon. Là, je pense qu'il a tenté de pré-shot mon Kava. Ok, là par contre, il est dans la sauce, là. Ok, là, on peut aller mettre la capacité. Là, on va recycler le Thompson rapidement, mais la reine qui fait un travail en HP, hein. Et on va aller prendre cette win contre le Shard. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Mon monster. Hop. Lui, il était pas mauvais, en vrai, hein. Ouais, il était pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, il savait jouer son deck, vite fait, mais il savait le jouer quand même. Il a essayé de faire une activation de tour du roi fantôme propre en vrai. Ok. Allez, dernière game contre le frérot. Pour l'instant, c'est en perfect, hein. Pour l'instant, le deck me plaît beaucoup. Ça change de deck que j'ai plus de jouer, cimetière et tout, et... et puis voilà. Merde, je sais pas si je vais mettre le Kava de base, mais c'est pareil. Du coup, bah Kava, je pense. Hein. Ah ouais, non, pas Kava, non. Mauvaise idée. Attends un petit peu et on va reine maintenant, je pense. Ok, ça va le. Oula. Ok, c'était pas le meilleur de ces. Il y a même la Kappa maintenant. Hop. Oh non, je prends un coup, ça c'est honteux. Ok, on met de la Vovo. Hop. Ah, yes. Hop, nice. Parfait. Parfait, parfait. Là, on est plutôt Gucci, là. Hop. Un petit coup de voleuse encore. Let's go. Bon, pour l'instant, on joue bien. On fait des défenses clean. Lui, je sais... Attends, voleuse, fantôme. Je sais plus ce qu'il a comme carte. C'est grave. PK, c'est du PK. PK Bridgeplum. Ouais, c'est un PK Bridgeplum classique. Ok, Monarché. Je pense qu'on va aller le foudre. Hop. On perd 2 dans le trade, mais c'est pas grave. On va refaire la même défense, hein, écoute, hein, c'est passé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il met un zap, je crois qu'il pense que le zap ça one shot l'esprit, alors pas du tout. Ok, fantôme qui reste en HP, ça c'est cool, que ça va lui mettre un coup. Nickel. Ouais, il PK sur ça, carrément. Alors là, regardez la petite défense. Alors, on met la reine là. On met le Kava ici, regardez. Alors, le Kava qui se pose par contre, ah, nickel. Là, comme ça va bien ralentir normalement. Ouais, la kappa qui était pas la meilleure kappa du monde. Ouais, ça va en fait. En fait, on va la mettre de très bons dommages. Nous sommes à portée de foudre, il me semble. Non, pas du tout. Il y a lancé quelques HP. On va pas la mettre alors. Ok, là, on a la M4, de toute façon, c'est pas trop grave. Ok, non, là, il va devoir défendre. Il défend PK, ok. Je pense qu'on va aller mettre une raid très haute ici. On essaie d'aller dépop le plus vite possible PK. Voilà, on sait qu'il a tenté un truc comme ça, donc là on va lui faire tout ça. Ah, c'est pas exactement ce que je voulais que ça fasse. C'est pas grave. Alors là mon but ça va être d'aller faire connecter quelque chose. N'importe quoi, un esprit électrique, une voleuse, quelque chose pour que je puisse mettre une foot simplement. Là on a peut-être une foot value à aller chercher. Bon, le truc qui était pré-shot là, pas mal. Et là, on va aller mettre la pression de l'autre côté. On va aller mettre une double pression. Voilà, maintenir. Ok, il défend bélier, il a pas le choix. Ça va, il met un archi magique sur ça, ça fait mal. Hein. Là, on va aller mettre un Kava. Hop, on va aller pré-shot, fuir à barbare, puisque je sais qu'il va sûrement mettre son sens électrique en plus. Voilà. Et là on va connecter le Kava qui va les mettre je pense un deuxième coup et qui on va les prendre la win sur ça. Bon bah le deck est plus que viable hein, regardez hein, j'ai fait genre 0 défaite, j'ai été large sur toutes les games, vraiment large. Lui je pense qu'il était un peu meilleur, ouais non ok. Bon les gars c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'était vrai coup, ciao.